Cette fois-ci, on est du côté du monastère. Qu'est-ce qu'on va nous donner encore comme travail? Bonjour. Il vous faut quelque chose? En effet. Et vous m'avez l'air d'un type plutôt débrouillard, qui ne rechignerait pas à un petit boulot, disons, pas très honnête. De quoi s'agit-il? Je cherche quelqu'un de doué en vol à la tire. Contre une récompense, bien entendu. Alors vous avez la chance d'être tombé sur moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fauche? Il y a un fermier qui vit dans la cour des artisans. Il s'est fait une fortune à vendre des légumes au monastère. Il fut un temps où j'ai travaillé pour son compte. Mais il a fini par me virer sans même me payer. J'aimerais que vous récupériez les gros chênes qu'il me doit. Ainsi qu'une petite bourse contenant une amulette que l'herboriste lui a donnée. Il est aussi superstitieux qu'une vieille mégère. Alors quand il s'apercevra qu'il l'a égaré, il va piquer une crise. Ça me paraît plutôt facile. Pas tant que ça, sinon je le ferai moi-même. Cette andouille ne fait confiance à personne et surveille constamment ses arrières. Si vous réussissez à lui piquer sa bourse et son argent, vous pouvez garder les gros chênes pour vous. Un monstre aux yeux verts. Je pense que ça va encore finir en vol nocturne cette affaire. Déjà prendre contact avec la bête. Ah ouais, on peut pas. On peut l'assommer ou pas? Vous avez mal à l'estomac? Je compatis. Pas besoin d'attendre la nuit. Pour. Bah on a tout dérobé. Hein. Voici la bourse du fermier que vous m'aviez demandé. Excellent, merci. Il va en faire un malaise quand il remarquera qu'il ne l'a pas. Il l'a déjà fait. Il ne fermera pas l'œil de la nuit tant qu'il n'en aura pas une autre. Il est persuadé que sans elle, il se fera manger tout cru par les puces et les poux. Il a autre chose, ouais. Je suis toujours à la recherche de travail. Vous avez autre chose? Lorsque je travaillais pour le fermier, je me suis entiché de sa bonne. Sauf qu'elle s'est trouvé un homme. Entiché. Il lui offre des châles et des belles chemises. Je ne peux pas rivaliser. Allez lui voler le châle qu'elle porte. Ah. Qu'est-ce que vous allez faire de son châle? Je vais le refiler à quelqu'un d'autre et j'irai ensuite raconter au marchand que les cadeaux qu'il offre à sa bien-aimée n'ont aucune valeur à ses yeux. Il est du genre jaloux, alors je l'imagine déjà devenir fou furieux. C'est un peu un fouteur de merde, hein? Il n'est pas très gentil, mais peu m'importe. Qu'est-ce que j'y gagne? Ne vous en faites pas, je vous paierai en gros chêne. Pas le bienvenu, hein. Je peux pas la... Merde. Est-ce qu'il peut sortir à l'extérieur? Bien. Personne.
quelqu'un à côté ou pas? J'étais pour... Franchement... On a déjà dû venir. Je vous ai rapporté le châle de la fille. Merci. Je vais aller le cacher sous le lit du fermier et j'irai le dire au drapier. Il va le défigurer s'il ne le tue pas carrément. Mais de qui vous voulez vous venger? Du fermier ou de sa bonne? Les deux. Ce sont des dégénérés diaboliques. Et le drapier ne vaut pas mieux. Est-ce qu'il vous faut quelque chose? Un dernier truc, mais ce sera pas compliqué. Je me suis vengé du fermier et de cette gueuse. Maintenant, c'est au tour du drapier pour m'avoir volé ma belle. Chapardez-lui la poudrière qu'il a toujours sur lui. Il y tient comme la prunelle de ses yeux et se vante sans cesse de la finesse de sa confection. Du coup, tout le monde sait qu'elle est à lui. Une fois que je l'aurai, j'irai cramer cette fichue ferme et je laisserai sa poudrière en évidence. Ils vont tous l'accuser. L'ange de la vengeance est à votre service. Je m'en occupe. Qui est diabolique. Petit repérage. On a perdu déjà. Un futur vol nocturne. Puis comme ça, on continue de s'entraîner au projetage. Peut-être ça allège un peu besoin de tout notre barda. Ça va être beaucoup beaucoup moins brillant. On a déjà dû venir pour se projeter. Même un étage.
Très joli. Tailleur. Ça va? Ouais, on peut pas. On va profiter pour parler un peu notre tenue avant qu'on soit en mauvais terme avec lui. On est ça également. J'ai envie d'acheter un petit costume. Pour améliorer cette espèce de truc tout laid là. Il y a un truc sympa à m'offrir. C'est marchand de le prix hein. Peut-on s'arranger sur le prix? D'accord. Ouais, cette somme peut réussir à me convaincre. Bon, on va revenir plus tard. Il faut qu'on sorte parce que je veux pas qu'on soit sur leur propriété. Menu, ça me semble pas mal. Nous voilà de retour. Alors, par contre, nos précédents méfaits nous ont coûté très cher en réputation. Donc, ça m'avait donné l'impression qu'on n'avait pas été gaulé. Au final. Chambre rouge. On voit rien. Regarde le bon squat là. Entrer. Les deux côtés en fait. Soit je lui vole à la tire, soit il préférait. Chut. Ah, on se tire. Si on réussit. Torche. Attention à pas trop m'éloigner parce que le noir on voit rien. Attendre le petit matin.
Tamis Barrière. Qu'est-ce que vous faites à vagabonder par ici? Déguerpissez. Ah, super. J'ai tellement mauvaise réputation dans le truc qu'il veut plus me parler. Que c'est pour lui. J'ai la poudrière du drapeau. Oh, le délire. Rira bien qui rira le dernier. Tenez, voici les bottes que je vous avais promises. Profitez-en bien. Et maintenant, place à la vengeance. Qu'est accompli un monstre aux yeux verts. Et c'était nos bottes. Et voilà les souliers. Et moins de bruit. Plus de vitesse, plus de charisme, par contre, pas d'armure.